Bonjour et bienvenue pour ce nouveau glitch sur Zelda. Aujourd'hui, on va voir le boom jump. Alors en théorie, comment ça se passe? C'est Link, il lâche une bombe, une deuxième, il fait péter la première, qui repousse la seconde, qui part à toute allure dans Link, et puis bah il décolle. Niveau équipement, on va avoir besoin de un bouclier, une bombe, un arc et puis des flèches. Alors en pratique, comment ça se passe? On sort le bouclier pour se mettre en position. On se rapproche le plus proche possible du vide. On saute très rapidement. On met une bombe et on active le ralenti. Puis on place une deuxième bombe. On se remet sur la première bombe. On fait exploser. Et si tout s'est bien passé, on décolle. Et une fois en plein vol, on peut refaire la même technique. Il suffit d'être bien aligné avec les deux bombes, et c'est parti. On peut le faire n'importe où, il suffit d'avoir assez de hauteur pour activer le ralenti. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est simple à réaliser une fois qu'elle est maîtrisée. Et si on a assez d'énergie, on peut enchaîner les boom jumps. Une fois que la bombe carrée est bien alignée entre Link et la bombe ronde, on fait péter. On peut vraiment le faire n'importe où. On prépare bien le bouclier. On peut le faire sans bouclier, mais le bouclier nous permet de le réussir à 90% du temps. On peut même le faire en plein combat pour fuir une situation difficile. Et on peut même s'en servir pour grimper des très hautes montagnes. On se projette une première fois. On réactive le paravoile pour pouvoir se projeter une seconde fois. On s'accroche à un mur. Et on recommence la même manip. Et encore, encore, et encore. Faut tout de même vérifier qu'on ait assez d'énergie. Parce que si on n'a pas assez, et ben on se viande littéralement.